أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم عجل لوليك الفرج. حديث de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam مؤمنين à propos du mois de Ramadan. Rasulullah a dit لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان. Rasulullah a dit toute chose, il y a de temps spécial, il y a moment spécial, et le moment de Coran al-Karim, c'est le mois de Ramadan. On va parler un peu à propos de Coran al-Karim. Coran, c'est le livre d'Allah tabarak wa ta'ala. Allah, il a envoyé ce livre-là pour nous tous. Parole d'Allah tabarak wa ta'ala pour nous tous, musulmans et d'autres religions mouminines. Mais nous, alhamdulillah, on est musulmans, on a écouté parole de Dieu. Après, on a appliqué parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Parole d'Allah tabarak wa ta'ala, c'est le parole bénéfique. Allah tabarak wa ta'ala, notre bon Dieu, dans le Saint-Coran Majid, a dit « Inna sanulki alayka qawlan thaqila » Il a dit à Rasulallah, « Ô prophète, on va vous donner parole, mais ce n'est pas parole simple, c'est parole lourde. Lourde, ce n'est pas quelque chose mal. Lourd, cela veut dire parole bénéfique. Beaucoup de bénéfiques dans le Coran Majid. C'est pour cela, si le Coran il est descendu, c'est révélé le Coran et Majid, le Coran se révélait, Allah tabarak wa ta'ala, il a dit Inna sanulki alayka qawlan thaqila, Rasulullah il a répété. Il répète tout le temps pour ne pas oublier le Coran et Majid. Mais le Coran, Allah tabarak wa ta'ala a dit Ya Rasulallah, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons envoyé le Coran et Majid. Et c'est les nous aussi, on garde, on va garder ce Coran-là. C'est pour cela, Rasulullah, il a répété tout le temps, Coran et Majid, pour ne pas oublier. Mais Allah, tabarak wa ta'ala, il a ajouté aussi. Il a dit, Ya Rasulullah, la tuharrik bihi lisanaka lita'ajala bih. Il ne faut pas que vous répétez tout le temps. Pourquoi vous êtes pressé? Allah, tabarak wa ta'ala, a dit, لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا. C'est nous, on garde le Coran Majid. Pour garder le Coran, pour protéger le Coran Majid, c'est nous, on protège ce Coran-là. Coran mu'minin, c'est parole d'Allah tabarak wa ta'ala pour nous tous. On va garder le Coran Majid, on va réciter le Coran Majid. Après, c'est pas ça seulement. On travaille, on fait notre acte, action tous les jours. Tout ce que le Coran a dit, c'est ça qu'il faut appliquer. Parce que mois de Ramadan maintenant, c'est le mois bénéfique. Et il faut utiliser tout le temps le Saint-Coran Majid pour votre vie. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin.